Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Jugomunic TV. Alors cette fois, on va lire ensemble un texte informatif. Drôle d'époque, oui. Les jeux d'autrefois marquent. Alors suivez avec moi, s'il vous plaît. Autrefois, garçons et filles jouaient à la toupie, aux billes, aux osselets, au ballon prisonnier ou à Colin. Jeux qui sont encore pratiqués dans les cours de récréation ou d'immeubles. Mais certains jeux très populaires dans les années 1950 ont disparu et parmi eux. Le kiné. On a ici un matériel vraiment simple. Un manche à balai, par exemple, de 30 cm de long. Et un bout de bois. Effilé et long de 10 cm environ, c'est le kiné. Les règles du jeu, très simples. À l'aide des manches, il faut jongler avec le kiné et l'envoyer le plus loin possible. La technique, pas si simple. Avec le manche, on tape sur une des deux extrémités du kiné. Déposé sur le sol jusqu'à le faire décoller de terre. Oui, si on réussit à en jongler avec le kiné, on le frappe avec le manche le plus fort possible. Voici donc une manche à balai de 30 cm de long. Voici donc le kiné. De 10 cm de long. Alors, je vais plus loin. À quel jeu d'autrefois joue-t-on encore aujourd'hui dans les cours de récréation dans l'immeuble? Explique avec tes mots comment on joue au kiné. Dresse la liste de tous les jeux pratiqués dans la cour de récréation de ton école, lesquels te semblent anciens. Demande à tes parents ou grands-parents à quel jeu ils jouaient quand ils étaient petits. Et choisis un jeu que tu ne connaissais pas et présente-le à tes camarades. Voilà. Et je viens de lire pour vous, mes chers élèves de CE2, les jeux d'autrefois au Maroc. Comme l'exemple de Libye, la toupie, à la toupie, il y a des garçons et des filles qui jouaient à la toupie, aux billes, aux osselets, au ballon, prisonniers ou coulant-mer. Voilà, à très bientôt!